Hey everyone, this is Matthew with another language learning video, and please remember to subscribe if you like the videos and click on the notification bell so you don't miss anything. Today I'm going to be doing part two of my first French reading. And so, as I said in the first video, and it'll be linked in the description box, I'm going phrase by phrase, listening, reading, and then I will be repeating it out loud for you to demonstrate my study technique that I use with the link system. So here we go. Question numéro un. Question numéro un. L'appartement de Benoît est trop petit. L'appartement de Benoît est trop petit. L'appartement de Benoît est-il trop grand? L'appartement de Benoît est-il trop grand? Emménager. Non. L'appartement n'est pas trop grand. Il est trop petit. Numéro 2. Benoît veut emménager dans un appartement plus grand. Benoît veut-il déménager? Oui. Benoît veut emménager dans un nouvel appartement. Numéro 3. Benoît regarde des photos d'appartements sur Internet. Benoît regarde des photos d'appartements sur Internet. Benoît regarde-t-il des photos sur Internet? Oui. Benoît regarde des photos d'appartements sur Internet. Numéro 4. Le premier appartement est bon marché. Le premier appartement est-il cher? Non. Le premier appartement n'est pas cher. Il est bon marché. Numéro 5. Le premier appartement est vieux et vide. Le premier appartement est-il vieux? Oui. Le premier appartement est vieux et vide. I'll check that pronunciation again. Appartement. Numéro 6. L'autre appartement a un lit.
L'autre appartement a un lit, une télévision et une cuisinière. Et une cuisinière. L'autre appartement est-il meublé? L'autre appartement est-il meublé? Meublé? Meublé. Meublé? Meublé? Oui. Oui. L'autre appartement a un lit. L'autre appartement a un lit, Une télévision et une cuisinière. une télévision et une cuisinière. Bon marché. Au marché. Numéro 7. Numéro 7. L'autre appartement est cher. L'autre appartement est cher. L'autre appartement est-il bon marché? L'autre appartement est-il bon marché? Marché? Non. Non. L'autre appartement n'est pas bon marché. L'autre appartement n'est pas bon marché. Il est cher. Il est cher. Numéro 8. Numéro 8. Benoît décide d'économiser plus d'argent. Plus. Plus loin. Benoît décidait d'économiser plus d'argent. Plus d'argent. Benoît veut-il économiser plus d'argent? Benoît veut-il économiser plus d'argent? D'argent? Oui, Oui. Benoît veut économiser plus d'argent. Benoît veut économiser plus d'argent. Numéro 9. Numéro 9. Benoît peut déménager l'année prochaine. Benoît peut déménager l'année prochaine. Benoît peut-il déménager cette année? Benoît peut-il déménager cette année? Non. Non. Benoît ne peut pas déménager cette année. Il peut déménager l'année prochaine. Benoît ne peut pas déménager cette année. Déménager. Il peut déménager l'année L'année. prochaine. And that was the end of this lesson. And hey, if you are a French speaker or if you are more advanced than I am at this point, let me have it. Give me some feedback. Let me know if my pronunciation was off. I'm sure it was. I'm quite confident that it was. But I'm still in the beginner phases. So give me some feedback in the comments. Let me know what you think. Remember to subscribe. Turn on the notification bell. Thank you for stopping by. And I hope to see you soon.